Et sérieusement, on dit en pile dans l'autorité New York, après directeur général Fayeslan, qui est même Fayeslan, mais on a dit avant tout, après directeur général BMPA, Dafizé Ménia Saint-Fleur, qui est même testé positif d'après éléments d'information dans le coronavirus, il a fait songer tout après une nouvelle mort, directeur général Ouna Chisnel Pierre à côté, mais information fait quoi c'est dans le coronavirus parce qu'il était présenté tout ses symptômes, mais fois ça là, c'est directeur général Fayeslan, qui est même Charles Ernest Chartuelier, d'après toute information, yo. Mais directeur général Fayeslan, qui en convalescence après qu'il était testé positif dans le coronavirus, fonds assistance économique et sociale informé public en général, à tout employé en particulier, que directeur général institution ça, qui c'est monsieur Charles Ernest Chartuelier, lui-même passé plusieurs jours là, côté situation santé pas fin trop bon, mais actuellement la lien en convalescence après elle était fin testé positif. Dans le coronavirus. Tenant compte évolution maladie en Haïti dernier jour ça yo Fayes li a adopté un ensemble de dispositions pour capable protéger personnel boîte ça mais côté yo mandé avec ensemble personnel yo pour capable respecter mes barrières yo respecter ça les distanciations physiques là mais pendant surtout ça cap commencer depuis jeudi vendredi en là yon équipe ministère santé publique la population a pour rendre dans local Fayes pour capable à la procéder avec sa réalisation prison charge pour tout employé pour garder comment ça y est, est-ce que gain l'autre gain qui contaminé dans espace là, il y a pas fait travail, il y a pas désinfecté espace là tout, garder tout ça qui gagne dans le bâtiment pendant le week-end là, font assistance sociale économique, font assistance économique et sociale attire attention pour la haïtienne là sous nécessité pour respecter consigne autorité sanitaire yo pour capable lutter contre sandrilé question coronavirus en dans pays d'après ces centres capable comme formation, ça veut dire qu'on a vu ça qu'a frappé sérieusement là dans différents boîtes l'État, surtout côté un ensemble de gros chefs là qui yo même ça qui est déjà perdu la vie yo dans coronavirus après les informations yo et ça qui je dis à la testé positif dans un coronavirus. D'avancer toujours avec information ça yo pour nous dire bien là. Nous pourrons aller avec sénateur, ancien sénateur Jean-Renal Senatus, toujours sous cause coronavirus. Jean-Audiobles, nous parlons avec ancien sénateur Jean-Renal Senatus. Nous pourrons aller ensemble avec lui, qui a critiqué comportement autorité, lui qualifié manfoubin dans le dossier coronavirus. Leader de l'ordre démocratique, là, croit qu'il y a un gros problème de communication à cause de population pas fait autorité ou confiance. Il y a une situation qui crée méfiance à la caisse citoyenne. Malgré ça, ces sénateurs ont demandé aux populations prendre précaution, suivre mes barrières parce que le virus est présent dans le pays. En côté, ces sénateurs Jean-Renal Senatus. 5h50. Écoutez, communication va passer parce que mon Dieu va faire confiance à l'État. Communication va passer parce que l'État est l'État mafia. L'année dernière, au mois de mars, tu fermé le pays parce que tu dis que Corona. Nous avons songé, dans le début de l'année 2021, tu n'as pas de Corona encore. À telle enseigne, tu organisé carnaval. Pendant que tu demandé à l'église de respecter la distanciation sociale, tu dis dans la banque qu'il faut qu'on entre cache-nez. Mais l'État n'a pas de pudeur et la décence pour te dire que les papes organisent carnaval parce que tu as besoin de mon côté. Au déranché, justement pour oublier problème 7 février 2021 qui t'a ramené fin mandat M. Jovenel Moïse. Là. L'État, c'est l'État que nous n'avons pas fait confiance dans la mesure où là, on a eu deux cas. Ils ont fermé un, ils ont fermé le pays, ils ont dit fermé un parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient propagés, ils ont mis de couvre-feu, etc. Mais ils ont fait yeux tout avec l'argent que Banque mondiale ou OMS a pris le bail. Sous question Corona. Mais société a gardé, jusqu'à présent, pas un rapport qui baille sous l'argent que vous recevez ou vous avez reçu de coronavirus. Là. Jusqu'à présent, c'est comme si Corona a passé même avec COP 4 de Maloc là, il a passé même avec COP Petro Caribéa, il a passé même avec COP et Caravane, M. Jovenel Moïse, c'est venu. Pas un rapport sous lui. Lorsqu'on société a constaté le constat, il va dire l'autre bagaille, il dit c'est mafia qui a dirigé. Et toute parole que mafia a dit, le peuple a gagné tendance pour prendre le contraire. C'est ça qu'il faut apprendre à tout le monde qui mettait doute. Est-ce que Chesnel mourit dans le Covid? Est-ce que Pasteur Sanon mourit dans le Covid? Est-ce que juge là, au niveau port de paix, mourit dans le Covid? Est-ce que Covid là existe? C'est vrai. Mais moi-même, comme leader politique et père de famille responsable,
m'a dit à la population, faut qu'elle prenne précaution dans la mesure où les diagnostics, moun ki yo diagnostiqué, yo dit effectivement gagner des moun ki yo joint jam dans la caillou que yo porté coronavirus là dans sang yo. Gagner yon zami qui parle avec moi il y a 3 jours de cela, li dit li konnen l'autre zami qui a dépisté positif au coronavirus. Ça veut dire nous devons faire attention. Maintenant l'état que nous gagnons, son l'état manfoupé, c'est on l'état piqué collé, son l'état qui pas de confiance en population. On ne pas garder ça l'état ça a dit ou bien ça l'a fait parce que tout ça l'a fait yo, c'est justement pour qu'a créer et pour qu'a aller propre intérêt misqué yo, mon t'a dirigé bien sûr. Maintenant et nous même qui mettre con nous, c'est nous trouver icône nous dans distanciation sociale, dans laver mes nous, dans mettre masque, dans prendre précaution et si t'a ou des symptômes, courir à l'hôpital, prendre nous tout justement pour nous protéger tête nous parce que la vie a pas besoin en Haïti mais pas gagner sur la mobile. Côté ancien sénateur a critiqué autorité handicap avancé tête baissée dans vaccin AstraZeneca sous pression internationale là. Ancien parlementaire a fait qu'on est les prix dans quant à utilisation vaccin ça. Ancien sénateur Jean-Renel la sénature ça souhaité ces autorités à famille qui prend vaccin avant pour population haïtienne dans les mêmes rivés accepter prendre. En côté pour une deuxième fois, ancien sénateur département l'Ouest PIA Jean-Renel la sénature ça dans micro Romanet samedi. Écoutez, communication va passer parce que nous avons confiance à l'État. Communication va passer parce que l'État est l'État mafia. Et l'année dernière, au mois de mars, tu fermes le pays parce que tu dis que Corona. Nous avons songé, dans le début de l'année 2021, nous n'avons pas de Corona encore à telle enseigne, nous avons organisé carnaval. Difficulté technique fait nous pas qu'à jouer son côté. Le sénateur a parlé sous question vaccin AstraZeneca, mais nous avons que Jean en pilote monde souhaité ça autorité et ancien sénateur critique autorité qui avancé les têtes baissées dans vaccin AstraZeneca sous pression internationale là. Ancien sénateur a fait qu'on est prudent quant à utilisation vaccin ça. Ancien sénateur a souhaité c'est autorité formio qui prend vaccin avant pour population accepter là. Nous avons toujours été sous dossier coronavirus. Nous prenons lancement avec responsable Moligafla Oxygène David qui qualifie démagogique autorité au cap parler de coronavirus pas d'activité pour référendum n'avance tête droite. Militant politique quoi c'est population qui vous protéger tête yo parce que pouvoir pas faire rien sérieux pour yo en côté Oxygène David dans micro Josué Bellamou. 5h55. La question corona PHTK a deux positions dans deux périodes qui va même. Dans la première vague corona, les corona ont fait par dans le pays, nous PHTK a fait gros promotion et gros parler en pile et fait gros débat pour fermer l'école, si vous ne faites pas quatre mois à la caillou par l'école, faire le travail et bien pression pour ne pas marcher sans cache-nez. Ça dit qu'on marche pressé. Dans le premier porte corona avec PHTK, comme quoi PHTK t'a montré qu'il t'a voulu pour ton solution. Il t'a voulu défendre la masse populaire. Dans la première vague corona, donc, et le défait paraît là. Je ne dis pas là, corona réparé. Et on dit qu'il y a une souche corona dans le pays, il est sorti dans le pays Brésil. Ok? Qui position PHTK? Nous, PHTK a un silence complet qu'il fait. Dans la première vague, là, il a un comportement, il a un intérêt. Je ne veux pas dire qu'il a l'autre intérêt. Il faut nous questionner les choses. Vas-y, il va dire rien. Comment ça qu'elle va dire rien? Il va dire rien parce que il a besoin d'atterrir la question du référendum. Qui ça fait des choses dans la première vague là? Les cours n'ont fait paraître. C'est parce qu'elle devait craser la mobilisation nationale. Deux quatre figures différentes. Amen. Stratégie PHTK c'est craser résistance nation pour l'avancer avec le référendum là, en même plus qu'il y a une question corona, il va dire rien. Bah, ça m'a sous-côté pour PHTK, il va faire ni chaud ni frais, non. Il t'a aimé tout le marché normalement sans rien. C'est bêtise à bêtiser dans la radio, soit et ministère santé publique a parlé à bêtiser. Vous pensez donc si tu as un corona dans le pays, il y a tout bon vrai. C'est pas rien si à penser. Il a parlé de référendum.
En débarrasse ça, nous associer. Comment nous pays pendant ce temps où nous descendons à mettre bureau par les défenses. Donc nous allons acheter un paquet pour nil. Yo nil. Yo nil. Ça fait nous comprendre la réalité. Ya. Ça va pas monter parce que nous sommes en opposition. Nous n'avons pas la réalité. Yo dit que nous avons avancé avec le référendum. Ça sont des magouilles. Amen. Ça fait marcher avec là parce que yo gagne un intérêt. C'est ça. Mogoun souli a un intérêt. Nous ne pouvons pas dire plus sur la question du référendum. Seulement, nous devons montrer. Dans le moment où nous avons un comportement, dans l'autre moment où nous avons un autre comportement. Voilà, déclaration militaire politique pour nous capable dire Oxygène David, qui est même c'est une responsable organisation de base qui c'est Molégaf n'a toujours été dans même dossier coronavirus non côté administration générale droit Nio qui a annoncé avec tout employé et puis monde qui connaît l'habitude de prendre service en dedans direction droit Nio côté fait qu'on est là face avec question propagation pandémie coronavirus non il y a ensemble de dispositions ensemble de mesures après de côté parmi mes isayo là il y a pas procédé avec ça de une opération désinfecter et puis nettoyer et droignio mais activité ça qui a démarré jeudi vendredi 28 mai là à partir midi dans niveau douane Port-au-Prince et puis office central samedi 29 mai qui donc demain il y a bien pour faire travail ça tout dans douane qui trouvait l'aéroport et puis bureau douane qui trouvait tout dans avenue John Brown communauté douane pour informer avant longtemps différentes dates et pour faire nettoyage dans l'autre et puis désinfectation dans l'autre bureau douanier. C'est ça. AGD lui-même dans notre limité de Yonanda date qui était 27 mai 2021. Direction générale, ensemble avec l'autre directeur et puis responsable service douanier dans l'autre vidéo, a pris toute disposition tout pour permettre que ensemble de bâtiments douaniers, yo même capable toujours disponible et puis respecter horaire qu'il a pour permettre que yo toujours bail service avec monde qui vient prendre service en dedans douanier. C'est bon dit bien, information c'est que mais autorité douanier décidé prendre disposition là pour capable désinfecter là et puis faire travail nettoyer dans ensemble bâtiment côté la douane trouvée à AGD Port-au-Prince l'autre côté autour. Le point d'actualité à la situation lui-même li très compliqué pour haïtien yo République dominicaine, si l'administration Joe Biden la fois passée à la baille, est vraiment très bonne nouvelle avec les compatriotes haïtiens pour bénéficier de la TPS, non? Mais République dominicaine, situation lui-même, lui est différent. Autorité dominicaine a informé que y a déporté plus passé 6000 ressortissants haïtiens qui y a même illégal depuis le commencement année 2021. Opération ça qui commencé mais qui réalisé dans plusieurs régions dans Saint-Domingue. Saint-Domingue, pour nous dire bien 27 mai 2021, 1er mai pour arriver 10 mai. Opération Sali même déjà commencé à mener dans 25 régions en République dominicaine. Côté autorité dominicaine, ils ont déjà déporté 6162 ressortissants haïtiens qui, selon même, cas vivent en situation irrégulière, pour nous dire bien, cas vivent illégalement. Dans le pays Saint-Domingue, 1334 Haïtiens y ont déporté sorti mois janvier, 1197 mois février, 2111 pour mois mars, 1470 pour mois d'avril qui se passait là, et durant les 5 premiers jours, ben, 68 y ont déjà déporté pendant commencement mois mai, mais qui est déjà prêt à le finir. Ben, avec toute donner ça aux autorités dominicaines eux-mêmes yo dit après possible avec situation ça puisque il y a question haïtien qui illégal sous bouteille wa faut eux-mêmes autorités dominicaines yo il a pris en disposition pour capable régulariser situation ça mais les haïtiens pas gain papier pas légal ben on dit comment là encore immigration c'est demain après la pim pour pas ici inspecteur service migration qui était assisté avec différents membres l'armée c'est même qui était représentant ministère public environnement corps spécialisé sécurité touristique c'est au même qui était mené avec opération Sila côté sans papier haïtien yo arrêté yo dans point frontalier d'Abon Elias Pinas et Pedernales et une centaine compatriotes qui eux même il y a plusieurs années là qui vivent
en République dominicaine sans papier, même gens alors gain des provinces tout à coup d'Azua, Santiago, la Altagracia, Bavaro, Valverde, de Maro, Santo Domingo, Nord-Est et dans République dominicaine, Villa Vasquez, Monte Cristi, Hermanas, Mirabal, la Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mahol, San José Ocaro, Prevaria et San Cristobal, c'est parmi côté haïtien eux même afin en pile haïtien là et y a vivent illégalement sous bouteille, c'est de maintenant. Nous avons entré dans le dossier référendum avec le secrétaire d'État communication, France Exantus, qui m'a dit avec sénateur Joseph Lambert pour ressaisir la cause de déclaration de l'IFE, côté le dit. Pas qu'il y a aucun bureau vote référendum qui a placé dans le département Sud-SPIA. Secrétaire d'État a fait qu'on est pouvoir prendre toute à disposition pour permettre référendum non réalisé 27 juin Cap Vinila et puis élection organisée dans fin année 2021 qui donc quel que soit cas coronavirus ou pas qui a augmenté dans le pays le pouvoir en place après les têtes droite ensemble avec dossier référendum non qui t'a choisi réaliser 27 juin Cap Vinila. Et puis élection connaît un premier tour législatif avec présidentiel qui t'a supposé réaliser mois de septembre qu'a venir côté France Exantus Namiko Blaise Peterson 6h. Pour être plus prudent avec les gens qui veulent monter sur les réseaux sociaux, parce que ça fait partie d'une campagne d'intoxication de l'opinion, des gens qui fabriquent des questions et qui utilisent non secrétaire d'État, non président, non premier ministre. Donc, il faut plus vigilant à ça. Moi-même, téléphone moi à BMW, téléphone est disponible 24 sur 24. Depuis que l'information, on a besoin de vérifier ou bien infirmer une boîte de souli. Oui, même ou bien écrit, on a fait le genre d'habitude fait là. Donc, le président de la République, là, c'est un homme qui est très responsable, il n'a pas besoin d'écrire ça qu'il dit là. C'est ça, me décapoter comme élément de précision. Maintenant, pour une déclaration, sénateur Joseph Lambert, c'est très malheureux. Mais c'est une meilleure voix, moi, sénateur, qui peut être allé pour parler, j'en parler, parce que nous avons généralement son monde qui est responsable, qui garde l'expérience politique. Nous ne pouvons pas commenter sur ça, je pense que la police est le pourquoi, parce que la première compte que déclaration est faite, elle est inopportune, elle n'est pas en place, et l'État a pris toutes dispositions sécuritaires pour que le référendum n'ait déroulé le 27 juin, l'élection est déroulée en septembre, et madame présidente a fini 7 février 2022, la promette pouvoir d'aller au président par soutien à l'élection. C'est démocrate, on doit faire démocratie, on est toujours prêt pour aller dans l'élection, toujours prêt pour dialoguer, mais question violence, menace, intoxication, la police et la justice a pris toute disposition pour que la population sortie, à voter, sécurise le matériel électoral, etc. Voilà, déclaration France Exertus, secrétaire d'État communication. Maintenant, font un petit rappel, pourquoi pas la semaine dans le journal là, et qui est autorité autour dans l'État qui fait qu'on est là. Mais moun yon capable voter avec soit passeport ou bien licence pièce qui va expirer. Et par contre, si a pris une décision ça, mais ce baguette a gagné 4 électorales ça, nouveau 4 ans. Mais ou capable voter avec soit passeport ou bien licence ou s'il va expirer. Ça veut dire l'autre moins encore, yon pour capable voter pour cause de référendum. Ce baguette a gagné 4 la frère mal fait 4 là, ce baguette a passeport, dégage ou fait, d'abord, ouais là, même l'autre, ouais, Et grand pile leader politique qui réagit à connecter Eric Jean-Baptiste qui est secrétaire général de RDNP qui fait qu'on est là li mande avec tout militant et RDNP tout monde dans société a pour boycotter et question référendum non mais pacifiquement mettez ça derrière elle pour dire que et parce que yo même RDNP pas dans question référendum même gens ensemble de l'autre dirigeant politique lui même dit tout yo pas dans cause référendum et pouvoir KEP avancer tête droite avec cause référendum finalement est-ce que date 27 juin ça peut passer dans jeudi ça et l'irrité pour nous suivre Radio Méga lui-même la présent depuis à la veille même pour informer ça qui a passé dans toutes quatre coins pays d'Haïti.
6h05. On avance avec information là, nous allons aller avec secteur démocratique et populaire lui-même là, qui j'ai été annoncé le pendant semaine là, il a démarré avec Sanrélé, ils ont tourné dans plusieurs villes provinces. Oui, pas de problème. On peut tourner dans plusieurs villes, provinces, dans plusieurs villes, provinces, côté démocratique, lui-même, il est déjà démarré là. Il a annoncé ça pour 23 à, pour le 31 mai, mais il a commencé le week-end, ça, de préférence, qui s'est jeudi à là. Tourner contre référendum inconstitutionnel, Jovenel Moïse, dans la région PAL, j'en dédie d'aller à là. Mais c'était démocratique, à populaire, là, et, gagné, plan en action, gen Combit, gen IPAM, gen Mopod, gen MTC, gen Matrice Libération, gen Nous Devons Vivre, Nous Voulons Vivre, Femme Vaillant, Non Conscient et Molly Reg. C'est épargné ensemble Stricti, qui ont même engagé, là, dans tournée. Il a fait, cap démarré pendant, jeudi, vendredi, là, dans région Palan, pour nous dire bien, Gressier, Léogane, Tigouave, Gangouave. Qui ça, qui c'est pral principal, et tournée ça, que secteur réalisé, bien, ensemble, organisation ça yo, c'est contre référendum inconstitutionnel et illégitime Jovenel Moïse dans Tounéa a gardé objectif selon ça dit. D'abord, c'est sensibiliser population pour capable faire échec avec un projet référendum Jovenel Moïse dans. Deuxièmement, c'est mandé pour que mais article 54-2 constitution lui-même les respecté. Initiative ça lié ouvert avec tout groupe d'opposition qui au même temps souhaité engager effectif avec yo dans tourner ça pour bataille contre les référendums illégaux illégitime Jovenel Moïse dans PHTK besoin d'une nouvelle constitution pour capable protéger après dilapider au fin dilapider fonds Petro-Caribéa et massacrer moun dans quartier Bel Air, Cité Soleil, Pont Rouge, Cafoufeuille. Tourner ça à permettre que organisation progressiste opposition mobiliser région PAL et un axe stratégique territoire national concernant les projets macap PHTK à que Jovenel Moïse veut mettre à personnalité qui yo même qui a gagné pour qui a accompagné yo hein dans région parlant qui yo même déjà c'est moun l'autre bord ça soit dans Gressier dans Tigouave Léogane Gangouave yo parlé de ancien député Jean Limonji gain ancien député Jean-Marcel Luméran Jean Danton Léger c'est selon moun ça d'abord comme hein comme des autorités qui passaient qui yo même cap la pour accueillir yo soit dans Léogane dans Tigouave dans Gangouave dans Gressier et commission organisation tourni ça ben l'autre moun cap la dernière nos jeunes yo monte ko Daril Balthazar, Gé Patrick Joseph, Gé Maître Kevno d'Orville, Pilate Voltaire, Valida River, c'est ça. Et pendant ce week-end-là, c'est que Démocratique Populaire qui est engagé dans sa tournée dans la région parlant, Gressier, Léogane, Tigouave, Gangouave, pour aller sensibiliser les citoyens dans la zone, dans la population, dans la ville, dans la commune, pour dire non avec causer référendum. Non. Nous avons toujours été sous dossier sa réaction qui est toujours faite sous question référendum. Non. Responsable Molégaf, l'oxygène David de Nocé Pouvoir PHTK qui, d'après lui, mettez tête à communauté internationale là pour changer constitution dans intérêt yo militant politique a fait qu'on est projet ça rentrer dans quel plan impérialiste pour prendre contrôle richesse pays plan sa jeune bourrade certains politiciens d'après oxygène David qui t'en dans micro José Belamour PHTK parlé référendum faut nous dire référendum non dans intérêt qui est-ce pour qui est-ce référendum non qui groupe monde qui derrière référendum non. Et nous sommes capables de constater que ce n'est pas une volonté populaire. Ce n'est pas la masse populaire qui derrière le référendum, qui d'accord tout. Jovenel Moïse a parlé du référendum. Et nous voyons qui groupe de monde qui baille comme côté comme sorti. C'est l'ONU. Il utilise une agence qui est INOPS pour gaboter l'argent dans la question du référendum. Pendant comme ça, c'est qu'à aider Haïti dans notre domaine. Il n'y a pas de petit monde qui va à l'école. L'agence a qui a la disposition de la question du référendum. Pendant masse populaire, pas d'accord là, pour que ça ne va pas mettre dans la question de l'éducation dans le pays. C'est mon motro, donc PHTK, donc c'est là, là pour le détruire. En nous regardant qui groupe au niveau international qui est derrière. C'est une grande puissance impérialiste, notamment les États-Unis. Il y a intérêt pour organiser l'élection, donc piquer coller, Fomamit, pour le Kembe la Navaz, pour le Kembe donc et Savandian, dans distribuer ensemble avec PHTK, by bourgeois, bourgeois réactionnaire, ok, à peine, et pour Kembe la Badi, ça sont réalités liées, et pour Kembe masse populaire, non salaire tuberculose.
Ça dit c'est intérêt de grande puissance impérialiste pour un coup d'État, pour un coup d'État électoral et pour un massacre, Jacques massacre moun la Saline. C'est ça que fait impérialiste américain de elle. C'est richesse féiale, Bézikembi. Un bord, plus passe 21 milliards dans la France. Et l'autre bord, plus passe 10 milliards de dollars au niveau les réserves là nous. Ils volent les réserves là nous, ils cassent les banques centrales. Donc, pays ça, ils ont intérêt pour déchapiller nous. C'est ça. Au niveau national, pour qui ça d'accord référendum? Qui groupe qui d'accord référendum? Mais au niveau national, ou après, c'est. 6h10. Gagne un